Hey, bonjour France, écoutez, je suis arrivé au club là, comme des chemins tout ces points là. Ah d'accord. Écoutez, j'espère que ça va bien tout le monde. On m'a posé une question, intéressante question. On me demande des gens, c'est quoi le produit que les boxeurs se mettent sur le visage? Bon, la personne qui m'a posé cette question là, elle ne doit pas trop connaître bien les sports de combat. Ça s'appelle de la vaseline. Donc tu mets de la vaseline, pourquoi? Parce qu'en fait tu vas protéger le visage du boxeur. Donc tu peux le mettre au niveau du nez, tu peux le mettre au niveau des arcades. Pardon, au niveau du menton aussi, comme ça. En mettant la vaseline, en fait, ce que ça va se passer, c'est que quand tu vas toucher, ça va glisser, quoi. Il n'y a pas un contact direct. Et donc, quand tu vas avec un impact, ça va glisser plus facilement. Donc, la vaseline est là justement pour protéger le boxeur. Donc, encore une fois, c'est des arcades, le nez. J'aime bien, moi, j'aime aussi au niveau des oreilles. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Au niveau du menton, c'est sûr. Mais après aussi, je vais rajouter de la vaseline. Je vais trouver très souvent au niveau des quadriceps, je vais en mettre. Surtout à l'intérieur, parce que des genoux ici, on va travailler surtout les genoux à l'intérieur. Donc je mets de la vaseline là, je vais mets ici sur les côtes pour éviter justement ces impacts. C'est-à-dire tous les endroits du corps qui peuvent avoir un impact direct, en fait, j'essaie de mettre de la vaseline pour que ça glisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vaseline ici est très réglementée, c'est-à-dire que quand on la met, il y a tout le temps quelqu'un de la commission des sports qui va venir vérifier si on ne met pas trop. Donc voilà pourquoi on met de la vaseline. Bon, il y en a quand même, et je sais qu'ils la mettent pour autre chose. Ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Ils font ce qu'ils veulent après tout. Mais voilà, en fait, concernant la vaseline, c'est tout simplement pour protéger le corps, pour pas qu'il y ait un impact direct. À partir du moment où vous mettez la vaseline, ça glisse automatiquement. Et puis, donc l'impact n'est pas direct, il va pouvoir couper, quoi. Mais c'est très important. Un boxeur qui ne te montre rien, il montera tout le temps avec de la vaseline sur le visage, parce que c'est hyper important pour lui, pour sa protection. Donc, en fait, voilà. Dernière chose, c'est comme vous le savez, chaque semaine, je fais une vidéo la semaine où je parle des techniques de combat de rue, etc. Donc, si vous voulez recevoir ces techniques-là, vous me rejoignez, vous avez le lien en dessous. Sachant que chaque semaine, en fait, la vidéo que j'ai mis avant disparaît. Donc, si vous n'en manquez aucune, simplement, inscrivez-vous maintenant, c'est gratuit. Et puis, vous recevez des vidéos cette semaine, vous êtes informé quand je mets la vidéo. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Rappelez-vous de mettre la vaseline si vous boxez, vous le savez très bien. Il y en a même, je vous dis, même des fois, moi, je le fais ici. Quand tu boxes, quand on met des casques, je mets même des fois de la vaseline sur le casque. Ça paraît con, hein. Mais c'est tout le temps pour protéger le boxeur, pour éviter qu'il y ait un impact direct qui se fait. Surtout quand on prépare un combat. Voilà, la bise.